vas. Je t'emmènerai en voyage. Très beau. Les plus beaux pays du monde. Je ferai l'amour sur la plage en savourant chaque seconde. Ou mon corps gourdit sans flamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses. Dans les boîtes de trappe, ça marche énorme. J'ai une chanson pour les boîtes de trappe, en fait. Ah, Philippe ! De parfum à vous rendre fou. Et juste à côté de Milan, dans une ville qu'on appelle Berga, je te ferai construire une villa. Je suis... On est parti. Je crois qu'ils sont là. Je t'appellerai mon amour. Insisterai. Quatrième. Ok. Quatrième. Je monterai un programme à l'allure d'un soir de gala. Je suis femme et quand on est femme, ces choses-là ne se font pas. Ça me rappelle les news. Pourquoi ? Parce que c'était les premiers rendez-vous pour les news. Quatrième. C'est ici qu'on faisait les rendez-vous. Ça n'a pas duré longtemps, ce jour. Non, ça durait. Le dinériste ne durait plus longtemps que l'émission. Vous avez fait une semaine. Ouais, ouais, Cinq émissions. Cinq émissions. Et on préparait tout ici. Oh. Ah, bon, ok. Allez, c'est parti. Salut Philippe, ça va ? Comment ça va ? Ça va, Thierry ? Salut Laurent. Salut Philippe. Ben, je te dis Philippe, ça commence mal. Je suis en train d'écouter Diane Tell. Messieurs, bonsoir. Tiens, mets ton manteau là. Gilles. Merci. Mais je vous connais, vous. Hein. Et je pense. Ah là là. Pardon. Il n'y a que des têtes sympathiques ici. Ça va ? Merci. Ouais, ça va. Tu nous emmènes dans la chambre tout de suite. Tout de suite. Bon. Non, on va boire un coup. Ça va ? Ça va très bien. Disons, ça a marché le Prime. Bah écoute, oui, que pas mal. Vous boire, mais tu veux un peu de champagne ou... Je veux bien, oui. Ouais. Mieux que d'autres primes, on va dire. Ouais, non, je parle pas du tout. La seule que je la malédiction du prime. C'était plutôt par rapport au prime. J'ai combattu la malédiction du prime. Je voulais dire mieux que les primes de Fogiel. J'ai renversé, oui. J'ai renversé. Bon, je disais à Philippe dans l'ascenseur qu'ici, c'est là où on se réunissait pour les news. Ouais, ouais. Et moi, j'ai fait la semaine dernière, ici, une interview pour Recto Verso de Paul Amar. Où on m'a demandé de raconter... Tu l'as tourné l'émission, pas encore ? Non, pas encore. On m'a demandé de raconter l'histoire des news. Ah bah. Et donc, j'ai tout raconté, comment au bout de 5 jours, on s'était arrêté. Comment... En même temps, c'est court. Hein, parce comment que... on était resté à vie, malgré tout. C'est fini, tout ça. À la tienne. Allez, chill. Maintenant, tu fais 20% sur ton jeu. Non, mais c'est-à-dire, les news, le premier jour, on avait fait 17%. Alors, j'ai dit, tout le monde m'a dit, mais c'est le premier jour. Je dis, non, c'est terrible, parce que c'est le premier jour. C'est-à-dire que l'effet de surprise, il était à 17%. 17. Ouais. Ah oui, normalement, c'est 35. Ouais. Ben maintenant. Oui, maintenant avec la ferme, c'est 35. Non, mais c'était pas si mal, 17. Non, mais c'est une émission qui était. Ce que je racontais, c'est que c'est une émission. Mais c'était trop compliqué. À part Laurent, le plus jeune avait 58 ans. Moi, non, c'est l'impression que j'avais. Non, c'est pas ça. C'est une émission qu'ils avaient achetée après un déjeuner très arrosé. Je me souviens du concept. Et donc, ils avaient trouvé ça très drôle, évidemment, quand ils étaient entre eux dans ce déjeuner. Mais après, quand on a mis ça sur TF1 à 19h30. Bah, les gens, ils comprenaient rien, évidemment. Ils voyaient Ramad avec une bouteille de gaz sur les genoux en train de dire, pour trouver de la place dans le métro, un bon conseil, une petite bonbonne de gaz. Tu vois, donc les gens, ils étaient largués. Quand tu réalises... Bon, c'est fini, tout ça. Et Chicago, ça marche énorme, non ? Ah, très bien, ouais. Ils continuent normalement, mais en juillet, ils cherchent un nouvel avocat, Thierry, je pense que tu peux postuler. Ouais, ouais. Ils cherchent une sorte de Sacha Distel, mais en plus jeune. Ouais. Je crois que... Pourquoi il le fait plus, lui ? Non, Rousseau continue là, je crois, jusqu'à mi-mai, parce qu'après, il a des contrats sur le Québec, le Canada, et c'est Anthony Cavana qui reprend le rôle ensuite. Mais il l'a fait au Canada, déjà. Ouais, ouais, et il le reprend à Paris, Anthony Cavana, et ensuite, on cherche quelqu'un, je crois, pour juillet-août. Ouais. Cavana fait 6 semaines, je crois. Ouais, mais ça marche énorme, hein ? Oui, j'ai vu. Ça rapporte, ça, l'adaptation d'un truc ? J'en sais rien. Non, pas tant que ça. Je vais te dire. Vas-y, va dire qu'il a pas signé le contrat. Si j'ai signé, ça rapporte, je sais plus. Non, j'en sais rien. Ouais. En fait, c'est en fonction du nombre. C'est temps par représentation. C'est pas en fonction des entrées. C'est un fixe par nombre de représentations. Donc plus longtemps ça dure, plus je vais gagner l'argent, tu vois. Mais en revanche, m'étonnes que tu recrutes pour juillet août. Ouais. Mais c'est pas ça. Pas envie que ça s'arrête. Oui, c'est bien. Et le théâtre c'est en septembre alors. On espère. Ouais, ouais. Ouais. Ben, normalement, je crois que peut-être lors de ce dîner, on aura deux des comédiennes du casting.
De ta pièce. Ouais. C'est laquelle, ah. C'est quelle pièce? La pièce sur la canicule. Ouais, grosse ouais. Chaleur. Grosse chaleur. Voilà. Oh, tu sais que moi j'ai fait mieux. Enfin, il y a ma mère qui a fait mieux. Ouais. Ma mère, elle est venue voir la presse, c'est une anime au théâtre des variétés. Bon, elle s'est marrée pendant la pièce. Mm-hmm. Hein, puis on va dîner après ensemble. Et c'est qui a écrit la pièce? C'est pas vrai. Alors ça, je dis, très bien maman, bah écoute, on va rentrer au Havre. Je te jure, ah. Qu'est-ce que tu veux? Mais elle le savait pourtant. Elle sait pas, elle est dépassée, c'est normal. Voilà, je sais pas, je peux pas te dire, je peux pas t'expliquer. Et après, il y a Landru, là. Ouais, mais ça, c'est en septembre 2005, avec Las Palais. Il y a un programme, lui. Non, mais c'est hallucinant. Ouais. Et ton film? Ah, les films, ça, c'est en stand-by. Ouais. Je crois que Luc Besson a dû enterrer un projet. Mais l'autre, en revanche, avance. Le film sur le dopage dans le tennis, ça avance. Le dopage dans le tennis? Ça s'appelle C'est de la balle. C'est à partir du fait divers, du type qui endormait les... l'entraîneur qui endormait les adversaires de sa fille, qui avait 15 ans. Ouais. J'ai écrit le film avant, mais oui, quand j'ai vu ça. Mais de toute façon, on est rattrapé. Ouais, je suis vachement rattrapé par l'actualité. D'abord, on n'a jamais encore parlé autant de dopage qu'en ce moment. Et en plus, ça y est, ça sort du vélo. C'est-à-dire que maintenant, c'est aussi dans le football, c'est aussi dans le tennis. Oui, c'est l'entraîneur qui dopait les concurrents de sa fille. Ce qui est imbécile en plus. Parce que le jour, elle va être à un haut niveau, il ne va pas aller doper Sir William. Leur gosse ou à l'école des fans, tu vois, parce qu'ils voilà, ont été leur gosse réussisse. Gilles, oui. C'est Gilles de chez Castel. Ouais. Je reconnais. Il s'occupe de moi. Moi, je ne reconnais pas, moi, je ne vais jamais dans oui. Ce endroit. Oui. Quatrième étage, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci. Pierre Bénichou. Il y a Josie, il y a Pierre Bénichou et Gilles. Et Gilles. Moi, j'aime pas me regarder dans le miroir dans les autres. Je trouve que la lumière est toujours un peu désavantageuse. Et le One Man, alors, c'est ça que tu vas faire l'année d'après? Je vais écrire en 2005-2006 mon One Man. Effectivement, à la rentrée 2006, je ferai mon One Man. Sûr. Mais pourquoi tu fais tout ça? Tu fais tout ça. Je vais t'expliquer pourquoi moi, je fais plusieurs choses. Je fais plusieurs choses parce que je me dis, c'est impossible que je me fasse virer 4 fois. Oui, mais moi aussi. Mon éditeur, ma radio, ma télé, voilà. Et le magazine dans lequel j'écris, je ne peux pas me virer les 4 au même moment. Ouais, bien sûr. Mais ça, c'est une leçon que j'ai retenue d'ailleurs au moment des news. Au moment des news, j'ai quand même arrêté Rien à cirer, qui était une émission qui cartonnait, pour faire une émission qui s'appelait Les Petits Déj. Oui. On a pris parce qu'après, ça a donné tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais n'empêche que si j'avais tout arrêté, c'est aujourd'hui. Monsieur Bénichou. Oui. Bonjour Thierry. Ça va? Bien, toi. Tu connais mon orchestre? Ouais. Mon orchestre. Qu'est-ce que c'est ça? Un petit cadeau. Un cadeau? Génial. Oui. Oh là là, vous êtes ensemble? Eh oui. Non, tu sais, c'est... Oh là là. C'était secret un peu. Oh là là. J'ai pas apporté de cadeau. Qu'est-ce qui a amené un cadeau? C'est toi, Diane? Bah, tu sais, à Biarritz, on emmène toujours des petits cadeaux quand on Laurent. Ça, tu connais cette boutique, on m'a dit? Ça va bien? Ouais. Comment ça va? C'est génial. Comment tu vas? Bien. Bonjour. Est-ce que t'as amené ta guitare? Bonjour. Bah, tu sais, j'ai toujours parce que, bon, c'est comme ça, hein. Asseyez-toi, Pierre, tu connais la maison. Diane, asseyez-vous. Moi, je ne connais pas. Est-ce que c'est maison. Les produits de ton épicier? Ouais, de... c'est les produits du terroir. Futur mari, tu sais que le futur mari de Diane est épicier à Biarritz. Vous allez vous marier? Oui, je vais vous marier. Non. Oui. On l'a dit. Il alors, écrit des livres, votre mari? Non. Ah bon? Un bouquin de recettes. Ah oui, ça, c'est avec sa copine Christelle, ils ont fait un livre. Enfin, sa copine. Tous les épiciers écrivent des livres maintenant. Non, je vous demande si votre mari écrit, parce que la dernière fois que vous avez eu un fiancé qui écrivait, c'était chaud quand même. Ah oui, ça. Moi, je suis pas au courant, c'était qui? T'es pas au courant? Non, non. Est-ce que vous m'autorisez, Diane? Oui, bien sûr. Oui. Bah, de toute façon... Marc-Edouard Nabe, qui raconte sa vie dans... Non, je connais très bien Marc-Edouard Nabe. Ah, ça y est. Marc-Edouard Nabe a raconté... On va peut-être boire un petit quelque chose. Marc-Edouard Nabe a raconté son aventure avec Diane... Ah mais ça, personne ne s'en est rendu compte. Continue. Non mais j'ose pas continuer. Non, mais tu peux, moi je peux te mettre sur la voie. Ah, parce qu'on en a parlé pendant toute cette soirée. Pas, non, j'ose pas. Chaque froissement de drap fait 5 lignes. Voilà, absolument. Et là, si tu veux, c'est pas pour dire, mais il y a eu quelques froissements de drap quand même. Il y a des petites. Il y a des trucs vrais, par exemple l'histoire de Jérôme, c'est. Ah oui, ça c'est vrai. C'est terrible quoi. C'est-à-dire qu'ils font l'amour avec Marc-Edouard. Oui. Diane rentre à la maison retrouver Jérôme et à peine en arrivant, elle se rebarre. C'est incroyable parce que n'importe quelle femme serait restée et serait restée avec le mec. Voilà. Comme quoi, j'ai pas trompé Jérôme. Voilà. Et vous repartez aussitôt. C'est très beau. Parce que... Vous repartez aussitôt pour refaire l'amour avec Marc-Edouard dans la chambre où vous veniez de le faire.
Oui, oui, ben en fait... C'est extraordinaire, ça. Je me suis... C'est ça que je suis très gêné, pardon, mais, non, mais... Tu sais que je connais Diane depuis des années. Moi, j'ai même pas osé lire le livre parce que je veux pas casser cette image. T'es en train de me dire que c'est une grosse cochonne alors que... C'est pas du tout ce qui sort. Moi, je suis désolé, c'est pas du tout ce qui sort du livre. C'est pas du tout une grosse cochonne. C'est une femme. Une femme. Non, mais attends. C'est vrai qu'il y a une scène à Notre-Dame qui est extraordinaire. Ah oui. Quand vous n'avez pas de culotte à Notre-Dame, là, c'est marrant. Oui. Attends. C'est marrant. Tu l'as revu hier, c'est pas possible. Marc Edouard, si tu veux, c'est un type politiquement, je trouve, pas terrible, mais littérairement, il a des qualités. C'est incroyable. C'est voilà, un peu il a des qualités. Moi, j'en ai parlé avec Lustiger, qui m'a dit pratiquement. Qui m'a dit, je ne sais pas, on me conseille de prendre ça comme titre de mes mémoires, mais pas de culotte à Notre-Dame. Non, mais attends. Par exemple, la rupture ne s'est pas passée à la Salette, comme il le raconte. Ah oui, ça alors. À la Salette, parce qu'on est vraiment allé à la Salette. Avec lui, ce qu'on a fait pendant 6 mois, c'est qu'on est allé se recueillir sur les tombes de tous les plus grands écrivains. La Salette, Notre-Dame de la Salette, au-dessus de Grenoble. Oui. On est allé voir la tombe de Paul Claudel, celle de Rebattet, enfin des... tu vois. Oui, tous les... tous les démocrates. Mais il a une femme. Il avait une femme. Alors que comment est-ce qu'elle a reçu, elle? Parce que c'est quand même la principale concernée. Je vais déjà vous raconter très brièvement la rencontre. C'est que je terminais la première de Marilyn Montreuil, ou la générale plutôt. Donc Savary me met dans un taxi et je me retrouve sur le plateau de Christine Bravo, qui avait une émission à minuit à l'époque. Ouais, et j'étais un peu dans les vapes, quoi. Parce que vous vous souvenez de Christine Bravo? Mille Bravo, c'était une après une première, comme ça, bon. Bref, j'arrive là-bas et... Elle me dit, est-ce que vous lisez? Oui. Vous lisez quoi? Et je dis Marc-Edouard Nap, parce que comme je lisais le journal tome 1 qui doit faire 3000 pages, ça faisait plusieurs mois que je lisais. Et pendant ce temps, il était en train de se disputer avec sa femme devant la télévision. Et elle lui a dit, ben, si c'est comme ça, t'as qu'à coucher avec elle. Elle a dit sa femme? Il a fait, chiche. Non, mais c'est vrai. Il a fait chiche. Oui, mais toi, et le lendemain, j'ai reçu un mot à Chaillot. J'aimerais bien vous rencontrer, etc. Et toi, t'as dit chiche? Ah oui, c'était... Moi, je suis jamais sorti avec une fille romancière pour cette raison-là. Parce que je me dis, j'ai pas envie de me voir exister. En gros, j'ai envie de voir ma bite dans un bouquin. T'as honte de ta bite? Non, pas du tout. Elle bosse à France 2, ta nana. Oui, mais elle est reporter, elle n'est pas écrivain. Il y a peu de chances qu'au journal télévisé de France 2, elle raconte ta bite. Ouais. Non, mais c'est attends, pas le genre. Et quand non, tu sors avec dire... une fille et que t'as tout le village qui en parle à tout le monde, c'est pareil. Hein, le village, bah alors justement, c'est un bon exemple, c'est que je trouve qu'un romancier transforme la ville en village. Et je me dis, quand tu rencontres Nab, tu sais qu'il va écrire. Moi, j'ai appris les dates. J'ai appris les dates des règles d'Hélène, la femme de Nab, dans son livre. Écoutez, moi, je ne suis pas du tout de votre génération. Je ne comprends pas même qu'on puisse parler de choses comme ça. Moi, je suis resté à... Mais... Demain, Gertrude et son cousin souriront quand je passerai. J'en mourrai peut-être. Voilà. Oui, moi aussi. C'est pas alors. Sa femme me dit, alors je voudrais pas voir ma bite. Mais je ne sais pas si je vais dîner avec toi. Tu sais ce qui est arrivé à Beckham? Beckham, la gonzesse avec qui il a trompé Victoria, a publié les textos. T'imagines? C'est-à-dire que la fille a fait faire des photos des textos. T'imagines Beckham? Il arrive à faire 160 signes quand même, un texto, pas plus que ça. C'est un drame de la misère dans un pays sauvage. Ouais, c'est horrible. C'est une pauvre petite mannequin. Qui s'est dit, je vais gagner 30 briques en vendant ça au Daily Mirror, au Sun, dans un pays de connards, qui disent, oh, dis donc, Beckham, il habite à Buckingham Palace. Ouais. C'est épouvantable. Tu sais que moi, quand j'ai vu le texto dans Voici I Want Your Tongue, je me suis dit, pourquoi il veut récupérer sa tongue? C'est vrai que j'ai traduit, en a perdu une. Même pour Chicago, j'ai pris un dictionnaire. Et donc, tongue, c'est un string. C'est la langue. I remember your tongue. J'ai perdu une tongue. C'est ça, c'est ces grands emballeurs qui sont ravis qu'une femme leur dise « je me souviens de ta langue ». Ouais. C'est plutôt un truc de lesbienne, ça, non? Non, ce qui était mieux, non. Ce qui était mieux, c'est le prince Charles qui disait à Camilla « j'aimerais être ton tampax ». Oh, ça c'est terrible. C'est déjà mieux. Ça, c'est fort. C'est déjà plus profond. Oui. T'imagines? Ça voulait dire surtout qu'il voulait l'avoir que tous les 28 jours. On a beaucoup parlé un soir pour tout dire. Et moi, j'aime beaucoup chez vous aussi autre chose. D'abord, cette histoire d'amour prouve que vous êtes une vraie femme et vous vous donnez absolument, et ça, je trouve ça génial. Et la deuxième chose, c'est que vous êtes québécoise, vous n'avez pas d'accent. C'est vrai, d'abord, je suis américaine. Comment ça se fait?
que j'ai pas d'accent. Ouais. Oui, mais parce que j'ai appris le français à Paris quand j'étais petite. Ah, vous êtes venue. Donc j'ai appris l'accent québécois pour faire comme tout le monde là-bas. Ah, et puis bon, au bout d'un moment, quand je suis venue habiter ici, bon, bah, ça s'est estompé complètement. Complètement. Hein. Quand je vais là-bas, je reprends un petit peu. C'est bien. Hello. Bonsoir. Oh là là. Vous me reconnaissez? Bien sûr que je vous reconnais. Ça y est, tu l'as eu? C'est drôlement chouquette. Attends, on va en parler. On vient de raconter des histoires d'amour de Diane Tell avec Marc Edouard Nab. C'est chaud, c'est chaud. C'est qui là? Oh là là, avec George Harrison, putain. Eh ouais, George Harrison. Ouais, George Harrison. Il y a Jean-Pierre Foucault qui est venu, j'ai dit. Oh là là, puis avec Ringo Starr. Je l'adore. À la droite du maître de maison, bah, absolument, mais absolument, ma chérie. Mais mon cher, absolument, ma chérie. Mais je suis donc Laurent ici. C'est magnifique. Ah, France ici, Daniel ici. Ah, à côté de France. Voilà, Diane ici. Pierre, tu es à côté Philippe de moi. Philippe ici et Monsieur Bénichou. Merci beaucoup. Oh non, pas de Monsieur entre si nous. C'est bien Monsieur Bénichou. Appelez-moi Pedro. Moi j'aime bien. Là, là. C'est magnifique. Mais au moins une. La rupture. Il y a l'épouse. Il y a l'épouse. Je pense que Marc-Edouard est un auteur en quête de personnages. Quoi. J'étais un petit peu un personnage dans sa vie, une chanteuse américaine qui était à l'époque l'amie d'un grand metteur en scène très connu à Paris. C'est dans sa. Elle va nous raconter maintenant. Maintenant, je vais vous raconter. C'est maintenant. Mais non, mais dis-nous, parce que c'est. Savary. Tu sais, j'étais avec Savary pendant. Ah, le metteur en scène. Mais là, tu as dit un grand metteur en scène. Un grand metteur en scène, faut pas déconner. Non, si, il avait non parce que moi, j'ai connu un grand metteur en scène qui s'appelait Jean-Marie Rivière. Ah oui, bah oui, mais Savary, enfin, il a fait Savary, des trucs bien. C'était il a fait des trucs bien. Un imitateur. Non mais Diane, sérieusement, après on n'en parle plus, mais quand vous étiez avec quand vous étiez avec Marc-Edouard Nab, vous avez quitté Savary pour Marc-Edouard, c'est ça? Oui. Mais non, mais tu l'as pas quitté en fait. Ah ben si. Ah mais c'est ça, le Jérôme du début, c'est Jérôme Savary. Ah oui, oui. Oh l'innocent. Vraiment, quel comédien. Oh quel comédien. Engage-moi. L'acteur studio, messieurs dames. Alors Laurent, regarde, en ton honneur, on a fait un dîner 1000 pâtes. Ah génial. Ah super, à propos de bêtes. J'adore les pâtes. Peiné à la fine gelée de viande, rouget et caviar, c'est pas mal. Tagliarini au curry, fricassé de blanc, de poulet et poivron. Jusque-là, ça va. Capelliti praliné et amande, millefeuille au piment d'Espelette, ça c'est pour Pierre. Petit pot de minestrone de fruits et coquillettes. Non, c'est bien, vraiment génial. C'est pour toi. Il y a des coquillettes comme dessert. Oui. Oui. Toujours. Toujours chez vous? Toujours. Non, non, Jean-Edouard. Non, Jean-Edouard. Il est formidable. Non, très bien. En plus, il parle très gentiment de vous. C'est vrai? Oui. Il y a des choses formidables sur vous, vraiment. Oh, je l'aime. On n'arrête pas de se dire. C'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Parce qu'avec toi, on sait jamais. Non, c'est vrai. Non, je te jure, c'est vrai. C'est vrai? Oui. Mais il est venu l'autre soir, là, pour Jésus Lacaille. Il est venu dans le. Oui. Il est venu à Tout le monde en parle. J'ai essayé de lui faire dire du mal de vous. Oui. Rien à faire. Vous avez même essayé en disant que vous avez reçu un coup de téléphone. La j'ai première dit fois. Alors, Marie Laforêt vous a appelé en disant c'est un coup de fric, faut pas il que tu bosses. Il a dit c'est pas possible. Il était choqué. Marie n'aurait pas pu dire ça et tout. J'ai prêché le faux pour savoir le vrai. Avec un air vraiment sincère en plus. Complètement, j'ai même cru que c'était vrai. Eh oui. Et donc, en fait, il a dit mais pas du tout. Marie est incapable de ça. Enfin, il a été. Mais... Il est extraordinaire. Il est d'un naturel. C'est incroyable, ça, parce que ils apprennent vite, c'est monstrueux à faire. Mais qui a eu l'idée de vous réunir? Ça, je ne sais pas. L'idée, ça serait déjà beaucoup dire. Hein. Bon, alors là, elle l'a cassé le jeune homme. Et c'est quoi le Ma femme est sortie, alors, l'histoire? C'est, bah, c'est une pièce que nous jouons depuis 451 fois. Oh mon Dieu. Ah oui, carrément. Oui, 451 fois. Voilà. Et donc, je vois la langue de Jean-Pierre Castaldi depuis 450 ans. Il t'embrasse ? Non, il sort sa langue pour embrasser Virginie Pradal. Ah, ça va. Et je suis de profil. Donc, je regarde, elle est longue. La langue. Elle est très, très longue. Et ça a mis en rage Pierre Bénichou, qui ne supporte pas Philippe Vandel, parce que... Non, parce que j'étais un peu le favori dans son émission. Oui, au début. On peut dire d'ailleurs à juste titre. Dès que Vandel est arrivé, tiens, non, oh, qu'il est mignon, qu'il est rigolo. Et vous voyez ce connard, ses chaussures multicolores, ses t-shirts avec écrit Mad Max dessus et tout ça, qui était là, alors je disais, oh, moi, tu sais, genre, ne laissons rien voir de notre carrément. Alors je disais, oui, il est amusant. Gilles. Il est formidable. Gilles. Oui. Ça fait combien de temps que tu le vois faire le pitre, Bénichou? Avant-hier. Moi, j'ai le droit de faire des compliments.
J'aime beaucoup Philippe pour d'autres raisons, mais l'homme le plus drôle que j'ai jamais rencontré de ma vie, je le dis ici, c'est Pierre Bénichoux. C'est l'homme le plus drôle que je n'ai jamais rencontré de c'est ma dur vie. C'est dur quand on dit ça, voilà. Si tu veux. Je te le dis. Après, t'es obligé. Quand on dit ça au début d'un dîner, t'as pas l'air con après. Mais voilà, c'est con, ça. Je peux plus. Ce livre est formidable parce que justement, c'est une déclaration de guerre et d'amour. À l'establishment, quoi. C'est un truc, c'est le « je ne suis pas des vôtres » que disent certains en une phrase, et lui, il le dit en 200 pages. Et il se montre plein de boue, plein de machin, en disant « voilà, c'est moi. Vous m'aimez comme ça, ou pas, ou vous ne m'aimez pas. » Et il m'a dit au téléphone, je lui ai dit « mais t'es fou !» Parce que moi, comme il dit, je suis son père, j'ai l'impression qu'il est un peu mon fils. Je lui ai dit « mais t'es fou de t'être découvert comme ça, mais pourquoi ?» C'est incroyable, de la part de... Et il me dit « c'est pour leur dire merde !» J'ai lu ton livre ce week-end, j'ai passé le week-end avec toi, en lisant ton livre, de la part d'un homme en vue comme tu l'es aujourd'hui, raconter les choses comme ça, ça m'a complètement... C'est le courage fou. Ça m'a déstabilisé, je dis pas bouleversé, mais ça m'a bouleversé, mais ça m'a déstabilisé. Je me suis dit « Mais il dit tout, là, ça y est, il raconte tout. Je crois que ce genre de livre, c'est des trucs qu'on porte longtemps en soi. C'est une boule que t'as, là, comme ça, j'étais complètement noué, parce que c'est vrai que mon père s'était mal comporté avec ma mère, qui m'est battu, c'est pas grave, parce que j'ai vraiment pas de traces, c'est vraiment... Oui, j'ai une trace, là, ça, c'est mon père, ça. Il m'a jeté un jour contre... Et là, j'ai une grosse cicatrice. Mais... Ça n'a laissé aucune trace morale, rien du tout. Je m'en souviens. C'est ça qu'elle fait d'ailleurs. Non, c'était les roustés, non, les raclés de ma mère. Ça c'est resté quelque chose. Et je me suis vengé après toute ma vie contre mon pauvre père, y compris quand il était à terre, chômeur, rien du tout, en fait, artiste peintre à la manque, enfin, il essayait de survivre. Et là, je le piétinais. Et c'est vrai que j'ai eu le plus gros chagrin de ma vie quand il est mort. Tu t'es pas réconcilié. Non, il est mort sans que je me sois réconcilié. Et en fait, cette espèce de message comme ça que j'ai peut-être envie d'envoyer à tous les enfants, enfin, c'est ce côté... on attend toujours... Moi, je me disais toujours, un jour, je me réconcilierai avec ce con, mais qui paye un peu. Ouais. Ma mère me poussait dans ses bras, me disait, mais parle-lui. Elle te disait, tu es chrétien avec tout le monde, sauf avec ton père. Oui, parle-lui, c'est ça, mais parle-lui, il n'y a pas raison, tu pardonnes. Et je ne pardonnais pas. Est-ce qu'il a été fier de vous lorsque vous avez été journaliste? Non, il trouvait que c'était un métier de merde, c'est pour ça. Mais attendez, c'est vrai, non, mais t'as raison sur un point, c'est que... non, il voulait pas que je devienne journaliste. Mais quand il a vu que je suis arrivé très vite au Nouvel Obs, enfin, grâce à toi, d'ailleurs. Très vite, je faisais des papiers, j'étais très en vue, tout de suite. Il n'était pas fier. À 23 ans, là, je faisais le... Oui, moi j'ai rencontré un jour, j'ai vu pourquoi il allait réussir dans le journalisme. Il arrive de l'école du journalisme, il fait deux papiers, trois papiers. Moi, je vais faire un truc avec Edgar Faure, que je connaissais depuis longtemps, parce que j'ai quand même 15 ans de plus que lui. Et je vais voir Edgar Faure, et puis il me dit des trucs. Et il me dit, oh, ne répétez pas que j'ai dit ça, sans ça, je vais passer pour un réactionnaire ou pour un truc, et Gisbert va encore m'engueuler. Gisbert va encore m'engueuler, ce merdeux qui est un peu... J'ai dit, mais c'est comme avec Philippe Vandel. J'ai dit, mais Gisbert, mais ça fait. Ça existe. Défends-toi. Tu vois ce que je veux dire? Il allait voir les hommes politiques. Je dis, mais pourquoi tu vas le voir? Celui-là, il n'est plus au pouvoir, il n'a aucun intérêt. Il me dit, c'est là qu'il parle. C'est bien. Et il allait voir Chirac en 88. Et machin, machin. C'est là qu'il parle. Et Mitterrand pendant la traversée du désert. Et là, il avait sa petite écriture. Non, mais quel culot quand même, ce bouquin, non? T'en fais trop quand même, t'en fais un peu plus que de raison, parce que c'est son côté chrétien qui fait que tu dis de toute façon je suis nul, je suis rien, tu sais bien que t'es pas nul et que t'es pas rien. Donc que tu te mets dans cette position masochiste maternelle. Non, ne pas pardonner. Tu sais, le côté. Mais ça, certains, on voit ça tout le temps autour de soi. Moi j'ai connu, enfin on connaît tous des gens qui ne parlent pas à leurs parents. Pour telle et telle raison. D'ailleurs, quand on a échoué, quand on a des problèmes dans la vie, c'est toujours la faute à ses parents. Moi, qui ai des enfants déjà qui ont un certain âge, je vois bien parfois, je sens quand ils ont des problèmes, ils ont le regard accusateur. Et puis si on laisse passer un peu de temps, on va commencer à régler des comptes. Or, moi, j'ai une belle enfance. Mais mon père, une fois que je dis ça, bon, c'est vrai qu'il battait ma mère comme plate, c'était dégueulasse, et j'ai envie de le tuer quand j'étais gosse. Et j'avais tout le temps envie de le tuer, je dormais avec un couteau, d'ailleurs lui aussi, mais lui c'était à cause de la guerre du 6 juin 44, donc ça c'était... Ouais. Mais moi je dormais avec un couteau, et en même temps, je m'en veux terriblement de ne jamais lui avoir pardonné, d'être mort, et qu'il soit mort sans que je lui ai pardonné. Ça, c'était, ce qui est étonnant, c'est que par exemple, quand ta mère, tu dis, elle s'est fait battre par mon père, mais ça était un peu maso, mais ça n'a jamais été une victime.
Toi, quand tu te fais violer, tu dis « ça n'a pas bouleversé ma vie, ça n'a pas changé ma vie ». Ce qui m'a le plus étonné dans le bouquin, c'est comment des drames comme ça, c'est-à-dire ta mère qui se fait battre, tu te fais battre par ton père, tu te fais violer... Mais pas par son père, attention. Violer par un voisin. Le viol... Mais, je veux dire, non, mais à chaque fois, tu dis, finalement, tu en sors assez... Non, non, mais le viol, non, aucun traumatisme, je suis désolé de le dire, et quitte à choquer, mais j'ai aucun traumatisme, mais sans doute parce que ma mère a bien géré, mais le viol, le truc était génial pour moi. C'est surtout, ça, vous l'avez dit grande, tout de suite. La grande image du viol, pour moi, c'est mon père arrive à vélo du travail, 5h du soir, il pousse, et ma mère se précipite vers lui et chuchote quelque chose à l'oreille. Mon père laisse tomber le vélo et mon père, qui était un sanguin, se précipite vers la maison du voisin en hurlant comme un fou. Et j'entends là-dessus tout un bruit de vaisselle cassée. Après, je sais pas, mon père était très violent, très baraqué. C'était vraiment le GI américain dans tout ce. Puis en plus, il faisait pas de la musculation, mais il faut couper du bois à la hache, enfin, etc. Donc j'entends et je me souviens très bien, je suis sûr que j'ai souri. Comme un enfant en disant mais putain, il m'aime. Mon père m'aime, il va taper le voisin et il m'aime. Donc le viol, c'était en fait, ce que j'ai retenu du viol, c'est que mon père m'aimait. Ouais. Et pas du tout le reste, bon, c'était un mauvais moment à passer, quoi. Juste, puis le type, il m'avait pas tué. Il y a quelque chose qui m'intrigue, moi. C'est quand on écrit un livre comme ça, où on se dévoile de façon aussi intime, et il y en a eu d'autres avant, il y en aura d'autres après, on fait un choix, évidemment, de l'écrire, parce que certainement, on n'a pas osé en parler aussi souvent que ça, même si peut-être vous en avez parlé à des personnes, mais j'imagine non, j'en ai pas parlé, à un cercle restreint. J'en parlais pas. Ce qui m'épate, c'est qu'on choisit d'écrire ça. Mais sauf qu'avant, quand on écrivait ce genre de livre, on ne faisait que l'écrire. Mais maintenant, avec la promo des bouquins, on ne fait pas que l'écrire. On est obligé d'aller le raconter dans les médias. Et ça, c'est quand même pas... Est-ce que ça, vous l'aviez prévu ? Oui, ça, j'avais prévu. Et je ne savais pas du tout comment j'allais gérer le truc. C'est très bizarre, d'ailleurs. Parce qu'au départ, je pensais que je n'allais pas pouvoir parler, parce que j'étais noué. D'ailleurs, j'ai fait une émission avec Poivre, où je me suis rendu compte que... À un moment donné, d'ailleurs, il s'en est rendu compte, j'ai failli chialer. Donc j'étais quand même dans un état... j'avais les yeux baissés. Et puis peu à peu, on s'habitue et peu à peu, on peut en parler. Cela étant, ce que tu dis là sur la promo, c'est très juste, mais c'est pas nouveau. C'est-à-dire, autrefois, l'écrivain, il se baladait. Il allait toujours, d'ailleurs, moi, je continue à le faire de temps en temps. Enfin, je le ferai peut-être sûrement pour celui-là. Mais il va en province... Ça, c'était vrai du temps de Giono ou de Gide. Je veux dire, il fait des conférences. Pas avec le même impact, évidemment. C'est pas la même chose, il passe pas la télé. Non, il n'y avait pas la télé, mais je suis désolé, il y avait la presse quotidienne, il y avait les interviews, il y avait la presse quotidienne régionale, il y avait les conférences qu'on pouvait faire par-ci, par-là. Enfin, je veux dire, de toute façon, la littérature, c'est toujours accompagné de parlage. Moi, tu vois, moi, je vais faire une émission dans la nuit du 5 au 6 juin 2004, en souvenir de 44. Avec Drucker, on fait une émission à Saint-Omer. Sur les anciens combattants. Mais justement. Quel parcours. Non, mais justement, je me demande, et en lisant ce bouquin, c'est-à-dire, c'est la différence qui est entre Le jour le plus long et Le soldat Ryan. Et en fait, tu dis que ton père, à un moment, t'interdit d'aller voir Le jour le plus long parce que c'est blasphème d'aller voir ce film qu'on peut passer. Un peu comme. Ça me fait penser à Claude Lanzmann, la Shoah, est-ce qu'on peut montrer les camps. Oui, tout à fait. La liste de Schindler, est-ce qu'on peut montrer les camps, etc. Donc ton père te dit. N'allez pas voir le film de produit par Zanuck parce qu'on ne peut pas montrer ça. Bon. Et en fait, ce qu'il a vécu lui et ce qu'il l'a flingué, c'est parce que ce qu'il a vécu, c'est pas Le jour le plus long, c'est Le soldat Ryan, c'est-à-dire les mecs qui vomissent, le mec pianiste juif new-yorkais qui a quatre pattes qui cherche son bras. Ça, c'est ouais. Et si tu veux. Et puis le mec qui a la tête en groseille, il y a l'autre qui essaie de remettre ses intestins, tout ça c'est vrai. La mer rouge. Oui, c'est ça, la mer rouge. Et ça, la mer rouge, bien sûr. Je me dis un truc, moi je me dis que je vais avoir l'antenne de minuit à 6h du matin cette nuit-là, et qu'en fait, plutôt que de tomber dans une espèce de commémoration hagiographique, je me demande si c'est pas ça qu'il faut dire aux gens. C'est que si on veut vraiment rendre hommage à ces gens-là, cette nuit-là, c'est-à-dire 60 ans après. Il ne faut pas raconter ce qu'il raconte dans son bouquin. De minuit à 6 heures, c'est peut-être un peu long, mais il ne faut pas passer ça sous silence. Tu vois ce que je veux dire Non, mais ce qui est étonnant dans le bouquin, c'est cette espèce de culpabilité du mec qui s'en est sorti, quoi, en fait. C'est ça, ton père? Oui. C'est ça. C'est qu'en fait, toute sa vie, il a regretté. Enfin, il n'a pas regretté, mais il ne comprenait pas pourquoi il n'était pas resté avec ses potes. Parce qu'il a suivi les ordres, quoi. Il a continué à avancer, on voit bien les ordres, ils leur sont répétés. D'ailleurs, quand ils descendent des chalands d'assaut, là, on leur dit « vous arrêtez pas ». C'est un coup de bol qu'ils soient vivants. Bah oui, les survivants de la Shoah disent ça aussi. Pourquoi moi? Et moi, j'ai un copain, un ami que j'aime tendrement, Plugmal, qui a fait tous les camps, avant qu'il s'en est sorti. Et un jour, il retrouve, c'est un juif polonais, et il trouve Lustiger. Dans une manifestation de commémoration,
Il m'a dit, écoutez, moi, je ne crois pas comme vous. D'ailleurs, je ne crois plus en rien, moi, mais... Dites-moi, vous qui êtes proche de Dieu, pourquoi moi? Et Lustiger lui a dit, et pourquoi moi? Comment? C'est ça, il y a une sorte de... Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'est pas mort? Pourquoi est-ce qu'on est là, et tout ça? Oh là là, moi je crois qu'il faut qu'on boive un coup. Parce que... Il paraît que ce qui vous séduisait le plus chez Brel, c'était qu'il avait la stéréo dans sa bagnole, dans sa Jaguar. C'est pour vous, c'était le summum. Déjà, il avait une Jaguar. Déjà, il avait la stéréo. Il vous a écouté. Ouais. Il avait une Jaguar. Avec la stéréo dedans. Avec la stéréo. Et ça, pour vous, c'était... Ben, je connaissais pas. Ouais. C'était en Belgique. Tu vois comment on sortait de chez Franz, un de ses amis qui avait un restaurant, Franz. Et il m'avait fait... Parce que Barbara voulait se coucher de bonne heure. Ouais. Barbara avait des draps noirs, elle avait une chemise noire, et quand on tournait à Blankenberg, entre Ostende et Knokke-Zoot... Ça devait être drôle. Elle voulait dormir que dans des draps noirs avec des rideaux noirs. Bon. Ah. Non. Et Barbara était la femme la plus drôle que j'ai rencontrée, vraiment. Mais le soir, elle disait, non, non, Jacques, je vais pas mais boire... Mais physiquement, avec... t'as toutes tes chances quand tu es avec Barbara, quand même. Et il m'a emmenée donc chez Franz, et il m'a fait assister à des batailles de coqs. Ça, j'avais beaucoup de mal à supporter. Ah ouais. Et un soir, j'avoue, nous sommes rentrés à l'hôtel, à Blankenberg. Il a mis la Jaguar dans le bon sens. Enfin, c'est-à-dire, face à la mer. Dans le bon sens, pourquoi, ouais. Pour moi, face à la mer. Et il a appuyé sur un petit bouton. Et il m'a mis le vaisseau fantôme de Wagner. Et voilà. Et voilà comment on fait craquer. Tu sens pas le mec. Eh ben, j'ai craqué. Pardon, vous n'aimez pas Wagner? Tu sens pas le mec qui a non, répété mais là, tu avant. Te rends compte que Jacques Brel, en fait, il faisait comme nous les mêmes conneries. C'est horrible. Ouais. Tu t'appelles Jacques Brel, mais tu mets la bagnole, tu mets la... C'est ça. Après... C'est comme tous les Portugais à la tour de Belém. Tu as préféré Brel? Attends, moi, je vais t'aider. Attends. Tu as préféré Brel ou Alain Barrière? Ah non, plus je t'entends, plus je te vois, et plus je t'aime. Elle l'a raconté à la radio, alors qu'est-ce que tu veux? Non, attends, Barrière, vous êtes tapé Alain Barrière. Ah ouais. Ma vie. C'est contraire. Ma mère était contente parce que je suis bretonne et ma mère voulait épouser un petit breton. Ah, il est breton. Et alors, je vois un petit coup, mais c'est quand même. Et c'est vachement bien, ma vie. Alain, où que tu sois, plus je t'entends, plus je te vois et plus je t'aime. Plus je t'entends, plus j'aime entendre ta voix. Tu dis des mots, encore des mots, toujours les mêmes. Tu dis souvent, tu dis parfois, n'importe quoi. Bam, 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 bam. Moi, quand j'ai lu ça, je te jure, j'ai eu presque des larmes en disant, mais comment mon petit Franz, mais comment il a vécu ça, je ne sais pas, ce truc-là. Et après, tu dis, quand même. Je ressuscité. Comment tu peux dire, j'ai eu une enfance heureuse quand on a vu cette... D'abord, parce qu'il y a tellement pire, d'abord, enfin, tu sais très bien. Mais... Non, il n'y a pas pire. Non, attends, la mère agonisante, il y a des maladies, des trucs, des cancers qui traînent pendant 5 ans, 10 ans, mais il n'y a rien de pire que ça, d'ailleurs. Attends, quand ma mère a commencé à se choper son cancer généralisé, mais j'ai jamais vécu pire que ça, c'était un cauchemar. Donc, ça, tu peux pas du tout comparer. Bon, il battait ma mère, c'est vrai que c'était dégueulasse, et j'avais envie de le tuer tout le temps, et puis en même temps, ma mère restait. Ma mère était une grande fille, elle était, elle avait du charisme, elle était prof de philo. Elle avait un père qui avait plein de fric, elle faisait de la politique, c'était une rocardienne, c'est une jante que tu n'aimes pas tellement. Bien sûr qu'elle l'aimait. Et puis mon père, une fois qu'il avait battu, il avait honte. Ça, je le dis aussi. Il desserrait pas. Oui, évidemment, comme toujours, il avait honte. Il avait honte, mon père. Il desserrait pas. Donc, il restait prostré comme ça. Bah oui, il avait honte. Donc, et c'est pour ça que je me suis rendu compte après coup, longtemps après, que j'aurais dû l'aimer, que finalement les choses auraient peut-être pu se passer différemment. Et c'est pour ça que je m'en voulais beaucoup. Et j'ai écrit ce livre pour un peu m'enlever un boulet. Combien de temps t'es resté silencieux? Il a quel âge quand tu meurs? Tu as quel âge quand il meurt, pardon? Quand il meurt, j'ai 30 ans. Il est mort en 79, j'ai 30 ans, et c'est vrai que, par exemple, des gens très proches me disaient « Mais comment tu peux le traiter comme ça ?» Parce que je ne racontais jamais. La dernière raclée, pardon. Oui, mais ça, les raclées, mais ça, c'est rien, ça. Les raclées, je veux dire, ça... C'est rien, mais mon père me battait, mais attends, c'est pas... Mais qui n'a pas été fouetté dans sa vie? Oui, enfin, moi, je dis... Moi, j'ai reçu des baffes. Non, moi, je vais vous dire pourquoi, parce que je suis de Filiou. Non. De Jacques Martin. J'ai la liste. Non.
Il était là. Laurent, je lui dois tout. Et il me tiens, dit... il faut que je te dise, tu as dit que tu me devais tout. Laurent, je lui dois tout. Je n'étais qu'un grand journaliste sérieux. Il a fait de moi une vedette de merde de la télévision. Voilà. Quand même, c'est formidable. Et il a fait pareil avec Ocrène. Il a fait pour toi ce qu'il a fait pour Stevie, d'une certaine façon. Drucker, pardon pour Michel, mais Michel Drucker, t'étais impressionné par les rendez-vous de Drucker le dimanche, parce que Drucker... Parce qu'il y avait Michel Sardou. Voilà, c'est un côté institutionnel. Moi, tu comprends, il s'en fout de ma gueule. Il voyait Michel Sardou, il savait plus quoi dire. Moi, comme dirait Pierre, moi, je suis le petit mec qui vient du HLM du Havre, donc... Avec moi, ils s'en foutent. Mais jamais moi qui ai dit ça, c'est honteux. Je lui ai dit, t'en fais trop avec ton HLM. Et en plus, il dit pas dans un HLM, il dit, on a grandi en HLM. Tu dis ça, toi, en HLM. Oui, non, j'ai dit ça une fois, et Pierre, à chaque fois, me retrouve sur toi. Ce que j'aime chez Laurent, c'est qu'il n'a jamais renié ses origines. Tu penses que je pense ça? Non, c'est vrai. C'est vrai que j'ai commencé à faire... Je faisais de la radio de toute façon librement avec la télé, librement avec Pollack et tout ça. Quand je suis arrivé dans ces émissions qui sont quand même très formatées, je suis allé chez Drucker. Et chez Drucker, c'est vrai que j'étais tétanisé parce que je me disais, je ne suis pas aussi drôle que Drucker. Comment il s'appelle Bruno Mazur. Bruno Mazur. Bruno Mazur et tout. C'était pas aussi drôle que Bruno Mazur. C'est quand même des princes de l'humour que je comprends. Question Calembour, t'es loin derrière. Je vais vous donner un scoop. Ouais. Par contre, tu es plus bon que lui et crois-moi, je l'ai vu tout en entier. Oh là. Ah, raconte. Ah oui, Bruno, c'était chez moi. Tu m'achèteras une épicerie. À la campagne. Moi, tu sais, ça fait plusieurs années que j'aime bien louer des maisons l'été et inviter mes amis. Et il y a quelques années de ça, c'était... Maintenant, c'est en Italie plutôt, mais il y a quelques années de ça, c'était sur la côte, à ce qu'on appelle Super Cannes. Vous me faites toujours rire. Super Cannes. Et quoi, Diane faisait partie... C'est au-dessus de Cannes. C'est quand t'as pas assez de blé pour habiter à Cannes. Super Cannes, c'est Sid Charis. Super Cannes, on l'appelait comme ça. Et moi, les plus belles jambes. Hey, c'était il y a longtemps, Thierry, tu rigoles, mais c'était pas... Et moi, tu sais, j'ai jamais fumé... J'ai fumé à l'âge de 38 ans des cigarettes et je ne suis pas fumeur de pétard, quoi que ce soit et tout ça. Bon, bref. Mais, sauf que cette année-là, et on raconte, tant pis, cette année-là, on se retrouve à un dîner où quelqu'un, je dirais pas qui, mais quelqu'un de notre entourage dit « Ah, mais tu prends un petit pétard. » Bon, on se le fait passer. Et Bruno Mazur a dit « Ah non, moi, je ne fume pas. » Bon. Et cette personne que vous reconnaîtrez avec l'accent que j'ai fait, non, c'est pas grave, si tu fumes pas, on va faire des gâteaux. Depuis un peu. Gilbert Rozon. Voilà, je n'ai pas cité son nom. Attends, là où tu mens, c'est qu'il a pas dit à tout le monde. Hein. Non, et on va faire des gâteaux, là, puis on va mettre ça dedans. Et moi, j'étais en cuisine, là-bas. Et on arrive le soir, moi, je n'ai jamais de ma vie, moi, je suis innocent, j'avais goûté ça, et on se retrouve tous à bouffer ça, sauf Diane, qui... Pourtant, il faut dire d'abord, elle est tombée dans la marmite quand elle était petite. Donc, dis-moi, je n'en prends pas. Mais je connais. Dans un état tout... Et Mazur, effectivement, à un moment donné, s'est retrouvé au bord de la piscine, avec une couverture ça. Et il scotchait, parce qu'il n'avait jamais fumé même du tabac, tu vois. Et là, il croyait mourir. Et c'est Diane qui l'a réconforté. Et effectivement, à un moment donné... Moi, je viens le voir, je lui dis ça va, parce que j'ai soigné. Oui, j'étais l'infirmière. Fais comme si j'étais Bruno Mazur. Bah, je lui dis ça va, Bruno. Bonjour à tous les rôles. Je lui dis t'inquiète pas, ça va passer. C'est que de l'angoisse, tout ça. Et il avait la couverture. Et je te jure, je croyais que tout le monde allait mourir. Ouais. Je savais que personne allait mourir. Mais tout le monde avait une angoisse. Ouais, je connais le mauvais trip, quoi. Mauvais trip. Il avait la couverture comme ça. Il était en train de mourir. Et il me dit, tu veux que je te montre ma bite? Je te jure que c'est vrai. Bruno, c'est comme... Et j'ai dit, non, ça va, j'ai autre chose à faire. Et il me l'a envoyé par la poste. Un moulage. En photo. Attendez, alors moi, la première fois que j'ai fumé d'un truc, là, c'était chez Eddie Barclay. Je vivais à ce moment-là avec Jacques Martin. Et beaucoup de gens fumaient, dont un chanteur dont j'ai oublié le nom. Enfin, il y avait des gens qui fumaient, c'était à 30 ans. Jodassin. Non, un autre, il était vivant. Ben, il est mort, l'autre. Jodassin est mort. Oui, je suis sûre. bon, qu'importe. C'est pas possible. J'aime les morts, moi. Et j'ai voulu, moi aussi. Surtout lorsqu'ils nous parlent, quoi. Donc, là, ça me souvient... Et on me dit de fumer. Alors, je fume. Et le problème, c'est que je n'arrivais pas à avaler. Ah, ben, ça, souvent, les jeunes filles. Oh, mon Dieu. Les jeunes filles, c'est souvent comme ça. Et j'étais pas élevée. Donc, alors, quelqu'un me bouche le nez, on me couche sur la table. Il était à son mari avec une certaine femme. Je parle de Barclay. Et
Enfin, j'avale. Et Jacques Martin, le père de mes enfants, était parti dans le salon un peu plus loin. Et moi, enfin, comme j'avale, on m'avait fermé les oreilles, le nez, enfin, ça commence à faire de l'effet. Et là, je me suis rendu compte que... Je suis désolée de vous dire ça. Que je pensais qu'au cul. Ça nous étonne, tu veux pas savoir comment ça me surprend. Je me suis mise à parler. Tu n'as jamais entendu parler de cul, Pierre. Non. Et dans le salon à côté, j'ai vu Jacques qui était en train de parler avec plein d'amis. C'est l'heure de rentrer. C'est l'heure de rentrer, Thierry. Thierry, dis-nous un truc, t'es sûr qu'il n'y avait rien dans les coquillettes? Tu penses pas que c'est... Donc, je vais donc dans le salon retrouver Jacques. Et là, j'étais dans un état, mais dans un état... J'avais avalé deux, comment on dit, des taffes. Ouais. C'est ça, hein? Et là, je me suis rendu compte que... Et je dis, ah, tu as peur quand je suis ridicule. Pourtant, en rentrant, il faudra bien que tu m'encules. Oh, putain. Oh, mon Dieu. Jacques Martin. Il se trouve que, après cette soirée mémorable, où finalement, on avait tous eu un mauvais trip, parce que vraiment, on n'était pas habitués à ça, il était prévu que le dernier soir, le soir où on doit rendre la maison, on recommence. Et voilà, et c'est parti, et on fait... Et on fout ça, normalement, dans des brioches qu'on fait. Bon. Ouais. Et là, ce jour-là, un attaché de presse qui se trouve dans ma maison dit « Est-ce que ça te gêne que X... » Je ne peux pas dire son nom, mais vous allez comprendre tout de suite, je vais le dire quand même tout à l'heure. « Que Madame 1 vient... elle va faire l'Olympia bientôt. Elle vient avec nous dîner ce soir. Est-ce que ça t'embête ?» Je dis « Non, c'est... » Enfin, non, ça ne m'embête pas. Elle devait venir déjeuner. Elle appelle au dernier moment. Elle dit « Non, je ne peux pas venir déjeuner. Je vais venir dîner. » Elle arrive... Et c'était déjà préparé, tu vois, tout ça. Et elle s'installe. Je peux te dire qui c'est. Non, mais... Ah, je l'aime. C'est Annie Cordy. T'as fait fumer Annie Cordy. Attends, c'est terrible ce qui arrive. C'est pire que ça. C'est pire que tout. On est 6-7. Et Annie s'installe à la table et on rigole et on s'amuse. Et arrive... Non, il faut que je dise qu'il y en avait dans les brioches et que pendant que les autres étaient partis à Intermarché avec 2-3 potes, on se dit « On en mettrait bien aussi dans le taboulé. » On en fout dans le taboulé. Il faut jamais faire ça. Non, je le dis sérieusement. Non, dans le taboulé, moi, j'ai arrêté complètement. Non, mais il faut jamais faire ça parce que c'est vraiment dangereux, quoi. Surtout avec une dame d'un certain âge comme cette dame. Et alors on mange le taboulé. Et au bout du... À la fin du taboulé, c'est parti. Ta-ta-yo-yo. Et toute la table. Et on en était mais malade parce qu'on l'avait pas fait exprès, vraiment on voulait pas faire ça. Mais attends, ça fait vraiment de l'effet. Je peux vous dire quelque chose. Pire, c'est je n'ai aucune expérience, aucune expertise, comme on dit maintenant. Il avait une grande expertise. Bon, aucune expertise sur ce. Pardon, Annie, pardon. Sur ces choses de paradis artificiel. Mais je sais, par récit, et aussi pour en avoir un peu tâté de ces trucs, quand on fume du hash. On peut doser, on peut savoir à chaque bouffée où on en est. Mais quand on en met dans un gâteau, ouais. Moi j'ai un souvenir d'un gâteau au chocolat où on avait mis, au Maroc, ils avaient mis du hashish qu'ils avaient acheté qui était 48 fois plus fort que le hashish qu'on achète à Paris dans le gâteau. Nature. Et j'ai vu des femmes se dépoitrailler devant leur mari banquier en disant « Hé, tu m'as jamais vu comme ça dans un dîner ?» Et les mecs qui disaient « Pouh, quel est drôle, je m'en fous, moi j'en ai rien à foutre !» Non, ça peut rendre fou les gens. C'est, non, c'est très dangereux. Il faut jamais en manger. Très dangereux, jamais faire ça. Il faut non plus pas en fumer. Et alors, il faut quand même que je raconte la suite. Dans la nuit, on était tous persuadés qu'elle allait... Mourir. Il faut bien dire ça. Laurent. Et surtout sans, elle. Pardon, excuse-moi. Qui chantait Tata Yo-Yo? C'était vous? Nous. Il y avait Frédéric Lemoyne, un imitateur qui reprenait toutes les chansons d'Annie Cordy, chantées par Dalida, chantées par Marie, chantées par toutes les voix. Et elle aussi. Et c'était parti. Puis plus ça allait, plus on se sentait mal, et particulièrement elle. Et elle dit... Vous avez mis un truc. Je sais. Que c'est pour surprise, surprise. Ah oui, comme il y avait Rosa. Ça rentre, j'ai changé d'attaché de presse dans l'heure qui suit, ouais. Parce que dans la voiture, je ramène l'attaché de presse qui était un attaché de presse commun que j'avais à Annie Cordy, que je ne connaissais pas avant, et à moi. Et l'attaché de presse me dit, au volant, je te jure, j'ai changé l'attaché de presse dans les 2 mois qui suivaient. Il me dit, bon, elle va mourir, ça, d'accord.
Elle va mourir, ça, d'accord. Mais est-ce qu'on peut savoir si on va retrouver des choses dans son... Ah ouais, dans l'autopsie. Mais mon Dieu, je te jure que c'est vrai. Et alors là, on n'a pas fermé l'œil de la nuit. Ils on a été porter les sacs poubelles de la bouffe à 2 km de la maison parce qu'on a eu peur qu'il y ait des flics débarquent. Le crime parfait. C'était terrible, ouais. Des gosses. Est-ce que vous savez que Marie qui est là, Marie, et qui souffre en entendant vos bêtises. J'ai rien dit alors. Hein. Me dit que demain elle fait sa dernière répétition et qu'après-demain elle est en scène et tu sais dans quoi. Madame. Jésus Lacaille. Tu sais ce que c'est que Jésus Lacaille, toi? C'est ce que ça veut dire, Jésus Lacaille? Non, c'est vrai, cette angoisse? Oh, mais attends, tu vois pas que je dis pas un mot? Mais oui, je sais, je vois bien, oui. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est une horreur. Elle a envie de rentrer. Elle a un trac, elle veut rentrer parce qu'elle répète toute la journée demain matin et qu'elle répète actuellement. Il y a trois télévisions, il y a truc machin. Mais attends, c'est une horreur de première. T'as fait le journal du Hard? T'as des cassettes? Il peut te raconter des aventures avec des stars du porno énormes. J'étais 5 ans. J'avais posé 2 conditions pour le faire. Ouais. La première, de ne pas taper les filles? Non, ça, c'était pas une condition. Non, je racontais. Je les ai tapées. Non, j'en ai très très peu. Et Laure Sinclair? Comment tu sais ça? C'est une fille? Mais t'es vraiment fort. Comment tu sais ça? T'es vraiment fort. Non, mais tu vois, Didi, je m'en suis tapé au cul. Parle du journal du Hard. Ils ont demandé à Giordano. Qui a dit non, je pense qu'elle a eu tort. Ils m'ont demandé à moi, j'ai dit oui, et j'ai posé 2 conditions. C'était la première, j'écris tous les textes, et la seconde, j'ai le droit de récuser des images si elles me déplaisent, s'il y a quelque chose qui ne me va pas. Ce qui est arrivé 3 ou 4 fois, je peux dire ce que c'était. Je vais dire les trucs que j'ai récusés, je peux vraiment te dire, c'est que rien ne me choque à partir du moment où ce sont des adultes et consentants, et les deux mots sont importants. Et c'était des gamines qui avaient 15 ans, qui n'avait pas de poils au kiki, et je trouvais ça dégueulasse. D'accord, voilà. D'accord. Et donc j'ai dit non. Et je me souviens parce que j'ai bataillé dans l'équipe. Pitié pour les imberbes. J'ai bataillé au sein de l'équipe. À la suite de quoi, 2 ans ou 3 ans plus tard, arrive l'affaire Dutroux, et les gens me disent combien tu avais raison, et combien tu as eu raison. Bon, à part ça, tu n'as rien récusé. Ah non, j'assume tout. Est-ce que, puisqu'on dit tout. Oui. Est-ce que je peux vous dire une confidence qu'il m'a faite? Ah, on attend que ça. Qui est extraordinaire sur le journal du Hard. Tu sais qu'il y a des scènes où les filles trouvent que ça va trop loin, après que t'aies vu ces choses que tu vois qui quand même... Que tu ferais jamais, toi, par exemple. J'ai bourlingué, mais j'ai jamais vu des trucs, j'ai jamais vu faire des trucs comme on voit dans ces films-là. Et il me dit, mais il y en a qui prennent des doublures. Oui, bien sûr. Alors je dis qui? Alors elle me dit, une telle, je ne dirai pas leur nom, c'est des cousines. Bon, non, mais je dirais pas son nom, mais il bon, y en a une. Il y en a une qui dit, alors il y a une doublure pour la sodomie, par exemple, qui fait... Que la sodomie, et qui double des actrices célèbres du Hard. Il y en a d'autres qui ne diraient pas son nom. C'est qui c'est? Il y en a une, elle a commencé, elle était doublure sodomie de Tabata Cash. Comment? Tabata voulait plus faire les gros plans. Attends, Tabata Cash. Tu débutes dans le métier comme doublure sodomie. Et donc, non. Et il y a des femmes qui refusent d'être sodomisées. Tu te rends compte, t'arrives chez toi. Alors ça, je comprends pas. Ah non, c'est quand même une chose. Il faut quand même dire à tous ceux qui puissent avoir des doublures sodomies. Ah non. Alors non. Parce qu'il y a quand même une chose exceptionnelle dans la vie, c'est ça. Pardonne-moi, Daniel. Ah, moi, je comprends les homosexuels. Alors là, je suis pour. Thierry, mais c'est vrai, Marie. Attends pas ça. Oui. Qu'est-ce qui a changé avec le journal du Hard? Parce que les filles, elles m'aimaient bien, en dehors du fait qu'elles m'aimaient bien, Paraît qu'elles t'aimaient bien pour des tas de raisons. Elles aimaient bien pour des tas de raisons. Et un jour, je lui ai dit, mais qu'est-ce que ça a changé? Elle m'a dit, t'imagines pas ce que le journal du Hard a fait de bien dans ma vie. Et je lui ai dit, qu'est-ce que ça a changé? Elle m'a dit, je peux dire le métier que je fais au déjeuner de Noël. Ah oui. Pourquoi voilà ce que ça a changé. Parce qu'il y a toute la famille, elle est à Blois, et il y a toute la famille, et elle peut dire ce qu'elle fait. Alors qu'avant, c'était moins que faire des passes. Ouais, ouais. Et voilà ce que ça a changé pour ces filles-là. Je vous pose une question. Pressé.
à vendre. Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête, je ne sens plus ta main. Il pleut sur mes lunettes, tu parles d'un temps de chien. Il pleut sur mes lunettes, ou bien j'ai du chagrin. Et dire que c'est la dernière fois que nous nous voyons, toi et moi. Et dire qu'au moment de l'adieu, j'ai de la buée dans les yeux. Je sais, c'était sans importance, une nuit d'amour, moi je m'en balance. On peut rester copain, copain, c'est beaucoup mieux, c'est même très bien. Il pleut sur mes lunettes, je n'y vois plus très bien. Je dois avoir l'air bête, reste jusqu'à demain. Je pleure sous mes lunettes, pourquoi te le cacher? J'ai du chagrin, c'est bête, c'est rien, je vais moucher. Wow. C'est mignon, hein? C'est très joli, moi j'adore ça. C'est une chanson et de... Ça, c'est beau. De Jacques? De Jacques. Ah. C'est parti. Jacques Martin. Jacques Martin. Bah, par moi. Par là, là, c'était chanté par moi. Non. C'est où chez toi cet été? Dans l'Luberon. C'est où l'Luberon déjà? C'est dans le Vaucluse, en France. Ah. Je suis amoureuse de toi, ne t'inquiète pas, j'aime les hommes. Non, mais mon mari. Attends, depuis le temps. Oh, mais depuis le temps, si tu savais. Ben, moi, c'est pareil, mais il faut qu'on se voit tranquille. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.